Que la paix et le salut soient sur vous, jeunes téléspectateurs de ma chaîne YouTube. Donc là, je viens de rentrer de Vegas, je me suis reposé et on va aller au ski. Je suis en train d'attendre un van qui est parti à 11h du matin de Paris et il arrive dans 3 minutes à Lyon. Je suis avec ma valise et j'attends. Hein. Ils vont arriver par là, là où il y a les voitures. Ce que vous voyez ici, c'est le musée de Confluence. Il a une forme assez... on sait pas, mais il est là. On sait qu'il existe en tout cas. Donc là, je viens de me mettre au milieu du pont et ils sont en train d'arriver. On les voit au bout, vous les voyez avec le van arrivé là? Même il y a le camion de pompier, bah juste devant le van là, qui met son clignotant là. Le bouchon! On a créé un bouchon! On a créé un bouchon! Dani! Ah ouais, Dani! Ah, t'es sérieuse, Dani? Dani! Laissez-la, la paniquez pas s'il vous plaît. Dani! Dani, démarre! À la Calais! Pour l'autoroute, on est à la Mutavière! La Mutavière! La Mulatière! Donc, les gars, direction le ski, direction Tine. Nous sommes avec Arthur, le plus beau des beaux gosses ici présent. Ça te fait plaisir que je sois là ou pas? On est super content. Ça se voit sur ton visage. Gigo! T'es reporter? Non, mais quelle est ta première impression de voir que je suis là dans le voyage? On t'a pris sur le périphérique, donc on est un peu surpris. Ouais? De t'avoir vu sur cette route. Ok. Et voilà, Mansour, il voulait pas te prendre. Ok, d'accord. Ouh là là, il est chaud. Je crois qu'il va en découdre, Mansour. Oh, t'es beau gosse, hein. Hey. Oh, t'es beau gosse. Alors, ton dent, ton dent. D'être tous ensemble, là, c'est casse les couilles, mon frère. Je vais partir avec toi, mon frère. Je suis obligé. Quoi? Attends, il y a écrit... Il y a des lettres, frère. C'est stylé, hein. Tired. Eh bien, salut à tous et à toutes, on vient d'arriver au chalet, on est une quinzaine de créateurs de contenu. Et là, on commence par le premier, c'est le plus noble des créateurs de contenu, le roi des créateurs de contenu, Fandon Vargas. Hey, comment tu vas? Est-ce que tu peux dire bonjour à mon vlog? Comment ça va? Attends, on dirait un... T'es sûr c'est un vlog? C'est les baquets, frérot, qui sont en train de un interrogatoire. Voilà, voilà. Merci, frérot. Non, c'est moi, je voulais juste mettre ta tête quelques secondes pour prendre la miniature et ouais, je fais plus de vues et c'est tout, frérot. À la recherche de. C'est pas à la recherche de nouvelles pièces, à la recherche de nouvelles stats. Ah, les créateurs de contenu! Donc là, les gars, en même temps, je vous montre la maison. Oh, elle est incroyable, elle est géante. Enfin, c'est un chalet, c'est pas une maison. Donc il y a hammam, il y a sauna. Ici, c'est une mini salle de jeu en forme d'avion qui est vraiment incroyable. Donc ici, c'est un petit endroit cosy. Nous arrivons dans le salon principal qui est vraiment très incroyable. Allô? Ouais, Fares, le premier mot qu'il m'a dit, c'est t'es qui? Il m'a même pas dit salam, il a dit t'es qui? C'est le menteur, je te dis salam en bas. On va manger des pâtes. Vas-y, ok, ça arrive. Sinon, t'es qui? C'est bon, voilà, hé. Fares, si je peux m'avancer, il y a des gens qui ont déjà prévu certaines choses. Ouais. Mais faut pas que ça casse des amis. Voilà, là, c'est même pas pour les caméras. Ils ont prévu des choses, mais ça dépasse les limites. Je pense que ça peut aller très loin. Elles sont où, toi, tes limites? Bah, moi, en fait, non, vraiment, ma première limite. Genre, toi, ta limite, genre. Vas-y, je fais ça. Fais ça, je peux. Vas-y, ma première limite. T'es qui? Vas-y, moi, j'arrive. Tu vas là pour que t'allumes, gros bébé. Qui? Toi, tu vas m'allumer? Je t'allume. Tu vas allumer quoi? Attends. En gros, j'essaie de comprendre. Est-ce que tu vas allumer une cigarette, une allumette? Qu'est-ce que tu vas allumer? Je comprends. Ah, tu menaces là? 3-0, tu sais, fini. Ok, s'il te plaît, Jules, tu peux nous filmer juste 2 secondes. Oh là là! Ouais. Je pense que sur Instagram, t'es vraiment meilleur. Tout ce qui est jeu et tout ça, c'est tout. En fait, tu peux pas exceller dans quelque chose. Allez, joue. Ok, je joue. C'est 2-0, t'inquiète. C'est 2-0. Normalement, c'est 3-0, c'est la honte. So, vas-y, joue. Vas-y, ok, ça marche. Bon, bah, on va aller chercher la honte. Étant donné que le talent n'est pas là, il ne peut qu'aller chercher la honte. Y'a pas de soucis. Allons-y, monsieur. Monsieur, c'est une interview pour la honte. Venez, c'est 3-0, mais cet homme ne peut pas parler avec moi. Alors les amis, nous avons ici Don Sido. Don Sido, qu'est-ce que tu vas nous préparer à manger? Des pâtes bolo. Des pâtes à la bolognaise? Ouais, ok. Ah, dans tout ça là? Hein? Bah oui, on est beaucoup, on est 30. Mais... Donc là, tu as préparé à manger pour 30 personnes? Bah oui. Mais t'es vraiment incroyable, Don Sido. Je suis choqué de cette pièce, regardez. Oh, y'a un toboggan? Bah, c'est-tu sûr que t'étais là, toi? Attends, y'a un toboggan. Je suis choqué. Oui.
Hey Vargas, comment tu vas? T'es un peu trop avec les autres, ma gueule. Hein? T'es un peu trop avec les autres. Un peu trop? En fait, là, j'ai vu que tu créais ton contenu, c'est pour ça que je t'ai laissé non, un peu. Non, moi, je crée pas mon contenu. Je suis juste là avec le frérot, on discute tout, y'a rien. Non, je vois, là, il crée ton contenu et tout ça, en haut, y'a pas tranquille. Non, en gros, j'ai vu que tu m'as délaissé. Non. Et du coup, vu que je me suis senti seul pendant un moment, non. Je me suis dit, là, il est en train de créer du contenu. Non. Faut pas que moi, je dors. Ah non, pas du tout. Genre, j'ai comme l'impression que tu voulais prendre un peu d'avance. Ah non! Sûrement pas. Ah oui, ça mon se voit. Ton contenu, c'est mon contenu. Ok, bah je vais te airdrop directement mon vlog. Ah oui, c'est la meilleure chose à faire. Vas-y, frérot. J'attends ce que tu fais, comme ça je riposte et j'ai plus rien à faire. Vas-y, ok, ça marche, pense. Allez, ça fait plaisir. À tout à l'heure, frérot. Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve dehors. Oh, je vous ai prank. Vous avez cru que j'étais devant, en fait c'était dans des lunettes. Comment tu peux noter ma blague sur 10? Je suis fatigué. Donc là, on est plusieurs créateurs de contenu, vous savez, on est une quinzaine de créateurs de contenu et on a créé des équipes. Moi, après, je vous présenterai mon équipe, mais là, on va parler du concept. En fait, on va tous s'affronter sur cette aire de jeu et il va y avoir plusieurs défis. Soldat ! Quel être moins... Soldat ! Loser ! Du coup, pour ceux qui m'ont pas vu juste avant, moi, c'est Ken et là, il y a mon collègue Andy. Elle est où, Barbie ? Excellent. On sera avec vous les 4 après-midi. J'aime bien mes blagues. D'accord, donc cet après-midi on va avoir 4 activités. Première activité, c'est le morpion géant. Pas besoin de vous expliquer les règles. Chaque équipe devra aligner 3 joueurs pour remporter la manche. 3, 2, 1, 2. Ok pour les oranges. Ok pour les rouges. Oui. On va gagner. Vargas, préparation physique. Une pompe, tout de suite. Une pompe. Jump. Bam, burpees. Pompe. Tu restes ici. T'as pas peur. T'affrontes le défi. Et là, tu te relèves. Et tu regardes la caméra. Et tu dis ce que tu penses. On va perdre. Comment tu le sens? Comment tu le sens? Ça fait super plaisir. Là, prochaine étape, 1-0 pour nous. Il est nul. C'est la génération Snapchat. Ça parle beaucoup, mais dans la vraie vie, il n'y a pas grand chose. Non, ils sont bons. Divertissement, ils sont forts. Ok, t'es en divertissement, on est les premiers, c'est ça? Ouais, premier, franchement. Merci, frérot, ça fait plaisir. Bravo. Merci. Pendant que mon équipe se demande qu'est-ce que nous devons faire. Je me demande, est-ce que je pourrais avoir éventuellement un niveau lancé de javelot aux Jeux Olympiques? Oh là, c'est lancé de javelot, incroyable! Donc voilà, s'il y a l'équipe de France qui veulent m'appeler, y'a pas de soucis, ça fait grand plaisir. Venez avec moi, on va se poser sur le brancard. Et moi, je suis parti, j'ai déstabilisé. Ils ont besoin d'aide! Oh, Schmetta! T'es viré? Bah, je suis chef d'équipe, je suis représentant mon équipe. Lui, tout pour la caméra. Ça va, il est bien ton vlog? Ça va, il est bien ton vlog, mais est-ce que toi tu sais faire ça dans la neige? Dis-moi. D'accord, tu me fais pas confiance? Ouais, non. On va gagner l'épreuve. Vargas, tu mets à hauteur de tête et on arrive vers leur équipe. C'est bon? Vas-y, 1, 2, 3. Les gars, on arrive! Tout droit. C'est dangereux, hein? Pardon. Il m'a jeté un truc dessus, frère. Boris. Vire-le, non. Non, c'est dangereux. Non, t'es massacre, frère. C'est le début. T'as vu comment on arrive à vous faire arrêter? Rangez la scie, les gars, c'est dangereux, vous pouvez mourir. Si tu comptes, tomber. Donc le but, les gars, c'est de créer un temps de pause. Ils nous voient arriver, arrêtez, les gars, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Ils perdent du temps. Pendant que nous, viens voir. Et prêt bientôt. Donc là, on va tester. On va voir comment ça se passe, les gars. Regarde, là, je suis chaud. Ouais, celle-là, quand même. Il pipe. Un dans chaque côté. Voilà. Allez, Vargas. Allonge-toi. Tranquille. 30 secondes. Ça tient la tête de ma mère, les gars. Faut qu'on aille où? Ouais, Vargas, faut que tu montes encore. On le soulève. Vargas, faut le monter. Les gars, faut vous le porter à plein. Là. Voilà. L'esprit des gars. Faut qu'on aille où? Vas-y. Heureusement, je suis pas là tous ces jours. Mais ça va finir en bagarre, ça. Avec toi, ça va finir en bagarre. Et arrête de voguer ta putain de journée. Concentre-toi sur l'épreuve, frérot. Ça y est, stop. Tout pour les caméras. Oh, là, j'en veux plus. Tout pour les caméras. Vas-y, arrête, voilà.
Wesh, nous, pour on les veut gagner. On veut gagner. Wesh, nous, on veut gagner. Bah, une voix d'âme. Convainc-moi que tu veux gagner. Tu veux gagner. Moi, tu crois ça en venant en me disant hey, Fares, on veut gagner. Sois Rajal. Ça sort d'ici, dis-le. Dis, on veut gagner. On veut gagner. Voilà. Dis-le. Tu sais que tu vas avoir une voix fragile, c'est pour ça qu'il est yeah, je m'en bats. Wouh yeah, vas-y, j'ai rien à prouver. Vas-y, vas-y. Et continue, voilà. Ah, vas-y, dis. Voilà, j'ai poussé. Coupe son lag. J'ai capté, en fait, vous êtes là que pour lui donner de la force. On va dire qu'il y en a un de votre équipe qui vous trouve ici en dehors des plots. 5 secondes de pénalité. Okay. Chaque fois qu'il y en a un qui franchit les plots. Okay. Donc c'est là, il y a un petit angle droit, il va falloir faire gaffe. De braquer comme il faut pour pas que vous sortiez du parcours. T'as bien. Et une fois qu'on a fait le tour, c'est le sprint final, on arrête quand toute l'équipe et le rancard a passé. C'est bon. Ok. Car en premier, non ? Ouais, extérieur. Bah, là, là comme ça. Après, on se après, là, c'est rond-point. Rond-point. Et après, on arrive à se terminer. Ici, là, c'est gauche. Ici, gauche, là. Après, on passe là-bas. Là-bas, faut pas sortir du périmètre. Sinon, on pénalise sur 5 secondes. Non, ouais, voilà, large, tu rentres. Et après, là aussi, faut pas sortir sur les plots, là. Sinon, on prend 5 secondes. On contourne. Après, au-dessus. Après, là, en dessous. Rond-point. Et après, on arrive. C'est nous les 4 porteurs, là ? Ouais, moi, je me mets devant. Ceux qui dirigent qui l'ont. Ouais, bah, c'est pas grave. Et ben, ça, on part. Ça sert à rien, quelqu'un de derrière. Non, ça fait peur. Viens direct pour vous avez pas une technique, un truc comme ça pour vous gagner. Moi je connais le parcours par cœur. Donne le rythme. Ça veut dire les gars, je m'allonge. Ok. Ok. À chaque fois qu'on arrive à une épreuve, je vais vous dire les consignes. Ça veut dire écoutez. Regarde. Ok, c'est parti. Allez, pas d'aller, pas d'aller. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attendez, on se baisse. C'est aujourd'hui mon dernier jour. Moins d'une minute. Combien de temps ? 58-65. Wow, ah, mais c'est mon poids ça. 3, 2, 1, 0, encore ! Vite, frère ! Plus vite. Allez, tombez ! Putain, arrêtez ! Ils ont perdu ! Ils ont perdu ! Il est tombé ! Il est tombé ! 49 N'importe quoi, mais... Là, il a pas passé la... Mais il a pas passé la ligne, ils sont pas arrivés encore. Frérot, tu vois, à cause de toi, le chrono, il tourne encore. Vu que... Il y a les deux chefs d'équipe qui vont s'affronter. Vas-y, des courses, des courses. Là, il va y avoir un beau combat. Là, là il y a un beau combat, les gars. Là. Le drone, viens, viens, il y a un combat là. 3, 2, 1, go. Allons-y. Mon gars, il s'est bloqué. Mon gars, il s'est bloqué. J'ai tout donné. Qui a gagné ? C'est toi normalement. T'as direct qui m'a foncé dessus. Après voilà, il a fait preuve de fair play. On a passé un bon moment. C'était très agréable. Mais là faut que je récupère les gars. Je vous aime. Là c'est incroyable le combat qu'il va y avoir. Il y a Arthur qui nous a ramené les habits Venom. Après j'en ai eu un peu plus, c'est pas une compétition. Mais là il va l'affronter. Vargas, pense à toutes les fois où il était. Tu voulais des pulls tout à l'heure Venom, mais t'as donné une veste. Pense à ça. 3, 2, 1, partez ! Vas-y, va! Attrape-le! Voilà, Vargas! Mange-toi! Tu passes mon pull après! Tu passes mon pull ou pas? Beaucoup d'animosité! On voit beaucoup d'animosité! J'ai l'impression qu'il y a un compte à régler après toutes ces années! Va, Arthur! Va, Vargas! Mange-toi, Vargas! Vargas, je crois en toi, donne tout! Non! Relève-toi, Vargas! Dis-le fort, je suis pas une merde! Je suis une merde! Oui! Voilà, c'est bien de se rendre compte! Va! Allez, Vargas! Va, Vargas! Donne tout! Plus de force! Viens, monte sur mon dos! Monte sur mon dos, Vargas! Je suis là! Vite, on finit la course en temps! Ah! Ah!
gros, je te ramène ton pull. Tu veux ton pull? Oui. Merci. Ah! Je maîtrise le vent, l'eau, la pluie, le feu. L'échauffement du sumotori consiste à faire des montées de genoux. Voilà ça. Ok, point pour les bleus. Allez papa, allez papa, allez, 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 non, non, voilà. Voilà taille. Pourquoi? Voilà, la vie est aussi dure. Pourquoi? J'aurais dû utiliser mes techniques ancestrales. Non. Ah non, c'est les masques qui tirent sa tête. C'est le masque, je pense. Ah oui, oui. Merci, je t'aime. Ouais. Bon combat. Donc là, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est qu'on est à la montagne, qu'on est au ski, mais que je vous ai pas du tout montré comment je skiais. Donc là, je suis actuellement à 2700 mètres d'altitude. Et regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Et après, je vais vous montrer comment je skie. Mais là, pour l'instant, je vous montre le paysage. C'est incroyable. J'aimerais savoir, est-ce que c'est dans ces moments qu'on doit dire subhanallah? Non, parce que si c'est pas dans ces moments, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on le dit quand, c'est tout. Parce que là, c'est vraiment beau, c'est incroyable quand même. Oh punaise! Le caméraman! Ah. Le caméraman est tombé, les gars! Thank you! Very much, man! You're welcome. Thank you! I love you, man! Okay. I love you too! You good? Yeah, I'm good. Thank you! Is this yours? Oh yes, thank you! J'ai perdu mon bonnet, magnifique. T'as vu la solidarité sur les pistes? C'est incroyable. I love you. I love you so much. Bonjour. Merci beaucoup. You too. Et pas YouTube. Est-ce que t'es chaud? Bon. Tu vas où, mec? C'est la chute. Et la chute. Oh putain. Je crois que je vais trop de la caméra. Dans notre tête, on croit trop qu'on skie comme hier en fin de journée. Donc là, on n'est pas échauffé et on est là, on tente des trucs et tout. Je crois qu'il faut qu'on s'échauffe d'abord et après on filme. Sachant que là, on va faire une noire. Hein. Ouais, vas-y, attendez les gars, attends, on s'échauffe. Attends, non, parce que la noire, elle va pas côté du bon côté. Ah ouais. On se retrouve après les gars, faut qu'on s'échauffe avant. Oh, tu chopes qui de travers là, hein? Oh. Tu chopes qui de travers là, hein? Parce que t'as vu, j'ai trop de regarder. Hein? Ah, pas attention à me regarder comme ça. Oh, tu chopes qui de travers là, hein? Oh. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles. Ah, toute la piste en arrière, attends. Ça y est les gars, le séjour au ski se termine. Arthur, c'est avec le cœur lourd que je te quitte. C'est moi un aussi. Bon moment que j'ai passé à vos côtés. Merci beaucoup, j'espère qu'on fera d'autres voyages comme ça. Et voilà, t'as quelque chose à dire? Non, c'est que le début, hein. C'est que le début et bravo pour les descentes de ski. Tu m'as mis dans la merde avec ces pistes noires, ouais, viens m'aider à filmer et tout ça. Ouais mon frère. Tu fais me faire genou. Hein? On doit y aller, hein. On doit aller où mon saint? On doit rentrer le saint. Oh le saint, j'étais en train de dire au revoir à mon collègue Tarpin chaud. On vas-y l'allemand. Comme ça. Oh le saint. Wesh. Ouais, je disais au revoir, le vlog, ouais, c'est terminé. Vas-y, on y va. Vas-y le saint. Oh, la grande famille, elle est là, hein. Ça regarde de travers, ça va me monter en l'air, hein. Vas-y frérot, smahli, t'as le magnifique l'argument. Vas-y. Va rater la mosquée les gars, on doit y aller. Ça y est les gars, on vient complètement d'arriver à Lyon. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce magnifique petit vlog. Je vous fais de gros bisous. Hier, il y a toutes les... hier. Je vais me dire derrière. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie. Du coup, on est bien arrivé à Lyon. Merci beaucoup mon frérot, je t'aime. C'était un très beau voyage. Il y avait un confort vraiment incroyable. C'est quoi ton Insta? DKR, tiré du bas, DIA.
incroyable. Voilà, si vous voulez des vannes vraiment incroyables, confort incroyable avec une PlayStation, une télé, voilà, bah les gars, n'hésitez pas à l'ajouter sur Instagram. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et on se dit au prochain vlog. Salam alaikum.